Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sur l'histoire de notre police, les difficultés rencontrées pendant ces 26 années. Faire un bilan de la peine et les perspectives pour les années à venir. À tous les membres de l'institution policière, du courage et heureuse 26e année. 12 juin 1995, 12 juin 2021, on a fêté 26 ans de police noire. Satisfaction pas aujourd'hui, hein? C'est le fait que nous choisissons faire le mode démocratie. Hein? Si causer en bâtonnel ensemble avec tout policier de tout grade, nous avons choisi pas de célébrer avec un peu de face, jeune habitué faire. Nous avons préféré adopter format ça pour que ensemble tout policier avec employé civil qui était vivre 26 ans de problèmes, de tribulations, de joie, des moments de joie parfois rares, mais son police qui fait face avec un pile difficulté me cadil parce que nous avons chance pour me diriger. Ça fait 16 ans. 2004-2005, Grenamunda, situation difficile, kidnapping, enlèvement, nous t'ai fait face avec. 2021, situation beaucoup plus difficile. Mais il prend, nous-mêmes en tant que policiers, pour nous connaître dans un moment ça, si l'inspecteur général, le directeur général, quelle que soit la position ou gagner dans la police, là, destin qui met là. Donc, on a une mission. On a une mission pour nous battre ensemble pour nous aider la police, là, malgré les difficultés. Nous tendons et il faut que nous fassions pour nous travailler avec les syndicats. Nous demandons au niveau de tolérance. Il faut que nous bâillons exemple parce que la police là, c'est la seule institution armée qui est dans le pays, qui a autant d'effectifs, l'armée à l'état embryonnaire, n'a pas autant pour nous consulter. 26 ans, bonne expérience qu'il a. Donc on fait valoir l'expérience ça pour nous bâiller le pays. Pour nous bâiller le pays. En direction de l'État, ah, DGA a parlé de politique. Non. Parce que c'est la seule institution qui campait et puis tout le bagage est tombé sous l'eau. Situation difficile dans le pays. Gang a multiplié. Gang a tué, assassiné policiers qui ont pour mission pour protéger et servir même gang ça. Mais il prend à des moments difficiles des hommes ou institutions qui, malgré les difficultés, dit on campe ensemble pour changer. Le réflexe, ça c'est frapper les policiers, nous frapper, nous bras frapper. Oui, nous bras frapper, mais nous bras frapper dans le respect de la loi. Nous bras frapper dans le respect pour protéger les pays, les citoyens. Mais nous n'avons pas le même comportement à gang ça qui a assassiné. Il prend des leaders qui sont conscients de la situation ça et puis dicter en direction à l'institution ça et nous prenons le service de modèle pour le pays. Songez, pour une sortie
nous couper tête, bouler caille pour prendre indépendance politique. Mais nous ne pouvons pas continuer à couper tête, bouler caille pour nous bailler sécurité. Nous, nos monde démocratique, même si en tant que policier, nous avons le monopole de la violence légitime, il faut l'utiliser avec intelligence pour que pays ça, cap souffrir d'instabilité, capable de compter sur les policiers. 26 ans ça, malgré difficulté, nous pas perdu. La police n'a pas crasé. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire travailler. Nous policiers, nous toujours travail pour nous bailler population service, nous pas baisser les bras, parce que même sous temps des policiers ont tombé, même sous temps des vivent en sécurité publique, mais nous-mêmes nous toujours dit nous là pour nous travailler et nous pas blaguer. Je dis à fait moins 13 ans dans PNH là. Donc, j'ai 13 ans, parce que j'ai des gens qui ont plus de temps que moi-même, mais l'expérience que je vis là, je suis fier de PNH là, je suis fier de travail que j'ai fait là, et que je pense que et à l'avenir, avec tête ensemble, avec des travail ensemble, avec la population en partenariat, donc je pense que la police là apprend l'autre souffle, et la population apprend l'autre souffle. Il y a une sentie dans la sécurité. Tant qu'on est humain, ça arrive que des fois on faiblit. On faiblit, on dit donc là, je ne peux pas travailler, je ne peux pas continuer. Donc, mais le moral ou remonté, on dit non, je dois continuer. La population a confiance dans nous parce que nous-mêmes, nous là pour nous travailler et nous dit nous ne pas lâcher. Faut que nous tous là connaissons comment on qui s'est passé dans le monde qui fait ligue couleur, quelqu'un qui fait ligue sa orelle, albinisme. Donc albinisme c'est une maladie génétique héréditaire qui caractérise par le fait que le monde qui gagne là pas capable de mélanine. Nous connaissons que mélanine dans son pigment qui n'en pour nous, c'est lui qui baille cheveux nous couleur noire. C'est lui qui baille peau nous couleur noire, c'est lui qui baille plume yeux nous couleur, c'est lui qui baille toute plume dans corps nous couleur. Donc moun ki gen albinisme, yo gen mutation génétique qui cause que yo même yo pa ka produire assez de pigments dans corps yo. Et forme point di nous parce que gen en pile moun ki gen une sorte de mythe dans tête yo. Nous on tande que gen de moun ki dit comme ça, l'autre de moun noir en pile rencontré depuis couleur très très foncé, yo marié y a font petit albinos quand même. Ça n'a aucun rapport avec la couleur de la peau. Un monde qui fait albinos, c'est un monde que papa et maman te gen jeune albinisme et puis yo rencontré pendant que la forme dans votre maman et puis lui-même il vient fait albinos. Un monde pas fait albinos parce que maman la papa trop noir ou bien trop blanc. Un monde fait albinos parce que maman à papa te gen déficit génétique que yo transmet li. Donc nous connaissons que à part couleur peau à que mélanine dans nous il y a un pile d'autres fonctions, particulièrement pour l'aider nous combattre rayons ultraviolets du soleil. Nous connaissons l'homme pour un petit soleil matin, c'est source de vitamine D, c'est vrai, mais là où prend gros soleil de façon chronique, il y a une des problèmes dans la peau. Puis faut nous gagner une protection naturelle ça. Par contre, albinos même malheureusement, yo pas gagné. Qui vient faire que yo connaît des complications assez souvent sous peau yo. Parce que le monde ça vous prend soleil, gros soleil de façon trop chronique, soleil a boule pour eux automatiquement, il y a de petites blessures que nous relais kératose actinique. Et au fur et à mesure que le monde ça a bien blessure là, la vie nous provoquer ça nous relais cancer de la peau. Donc, le monde ça, c'est une population qui gagne très très souvent cancer de la peau parce que n'y a pas de production naturelle que mélanine offre. Mis à part pour moun sa ou gen des complications tout au niveau yeux yo, parce que mélanine non seulement li bay iris la couleur yeux yo, mais li permet que yeux moun nan accommoder la lumière lan pour le kawe bien. Malheureusement puisque yo pa gen yo même yo gen des difficultés visuelles, ça veut dire moun albinos yo pa kawe de loin, yo pa ka li let fin même jan avec nous. Nous ka remarquer tout moun ki albinos yeux yo gen tendance à souke comme ça. Si nous avons des gens qui prennent nous garder ça, c'est parce que nous avons un défaut d'accommodation. Donc même si nous avons un souk, c'est comme ça, l'image là tout à peu près comme ça. Donc nous avons à peu près une vision floue des choses. Qui fait que nous-mêmes dans la société,
par rapport à toute complication moun sa ou gen, nou gen pou devoir au lieu de nous stigmatiser ou pour nous protéger. Ma ban un exemple bien simple. On moun ou albinos par exemple qui monte en camionnette, pas gen place en dedans, nous ta supposé bal opportunité pour l'entrer en dedans pour pas prendre soleil là parce que nous-mêmes nous gen nous ka protéger nous mais lui-même s'il prend soleil là ka vinn gen cancer de la peau par la suite. Le albinos en sorti dans soleil, il pas gen lunettes solaires par exemple. Li facile ka gen cataracte parce que soleil lan agit sous yeux. Moun gérer albinisme lan yon façon. Et le fait que on moun albinos ça pas veut dire que tout moun ki albinos obligé fermer. OK? Le fait que moi albinos m gen droit ouverte ou bien fermer, même gens pour moun noir, li gen droit ouverte ou bien fermer. OK? Parce que chaque moun gérer albinisme lan yon façon. Gen moun discrimination pas fait peur. Et gen moun comme si discrimination pas bal problème. Moi-même personnellement, j'aime vivre là, OK, parce que moi-même moi gen apoyo familial, c'est-à-dire que famille me toujours bonne valeur que mérité. OK, entourage moi zanmi tout. Bon, pour expérience moi comme si pas tellement difficile que ça. Parce que me son monde qui prend en tête moi en pile, m'toujours dit que bon Dieu fait pour briller parce que faut profiter de ça et le fait que moi vienne la maquiller c'est pas parce que m'pas fière le fait que m'albinos parce que juste remet glamour remet élégance m'vienne la maquiller m'vienne la belle et le fait que maquiller ça pas veut dire que m'pas protéger pomme parce que tout ça mettait dans visage moi yo yo gen protection soleil bon m'pensais que ça qui fait mal là c'est que Jean Mounion a fait toute une histoire avec le fait qu'une personne est albinos. Parce que albinos là, les gens sont Jean docteur sont dit là, sont mon normal et puis qui juste à protéger pas parce que moi-même me fait tout ça en mon noir t'es caf. Après un gros différent sans trace qui lague tout le monde des bras balancés. Côté petit monde cou grand monde c'est de l'onanger pour y a demandé bon Dieu qui mal yo fait y a payé. C'est code qui m'a ressenti yo. Si nous t'a imaginé 103 familles, qu'après 10 depuis 15 à 10, 10 ans à 15 ans, pour yon posséder ça, yon te rêvé. Jou m'a dit qu'il était 1er juin, te fait yon perdre tout espoir. Qui donc, la misère, remonte la caille yon, nan mitan famille sa yon. Pas gen ni le relè, ni répondre. Faut diable pour malheure. Plus passé 8 jours après, nous pas joindre présence aucun responsable dans l'État. Ni dans l'instance d'État central là. Ça montre tout bon, nous gagnons l'État qui n'est pas responsable. Mes amis, peuple misère Faustin, relais, nous pas capables encore. Voyez, regardez pour vous, 72 timoun, cap dormi dans serein après soleil fin batio et poussière. 70 femmes cap dormi à la belle étoile. Plus passé 60 garçons cap soufflé terre pour yo dormi. L'État haïtien, moun yo besoin de l'eau, cabane, drap, tôle, clou et latrier. Comme ça yo ta rale yon souffle. Pour nous finir, n'a dit peuple misère Faustin après merci magistrat Wilson jeudi parce qu'il était fait preuve yon bon papa qui compte douleur petite. Nous bat bravo pour ça. Mais magistrat, nous connaissons ou pas jamais commencer pour pas finir. N'attend en pile qui choy nan mais parce que faut nous gen kay pour nous dormir. Nous pas suspendre dire merci pour développement commune d'Elma. N'a tout dire pays a attend une autre dimension. Bon grain, par contre bête. Avec toute notre affection familiale et fraternelle, nous sommes venus ici entourer notre frère et ami Chesnel qui vient de nous quitter. Notre cœur est étreint d'une profonde tristesse d'être séparé de lui et de ne plus le voir présent parmi nous. À cela s'ajoute la peine de savoir comment il a été stressé et souffert le dernier jour avant sa mort. Nous le ressentons comme une blessure dans notre cœur.
à la tendresse de Dieu, notre Père, nous sommes venus confier son enfant qui a tant souffert. Dans notre prière, nous venons demander qu'il trouve enfin la paix et le bonheur promis à celles et ceux qui ont peiné et souffert à l'image de Jésus-Christ. Les paroles de Saint Paul, entendues dans la lecture, parlent de transfiguration de corps. Il donne comme exemple la résurrection du Christ. En effet, le corps torturé et crucifié de Jésus a été transfiguré par sa résurrection et il est entré dans la gloire de Dieu. Auguste Assemblée, c'est en 5 ans de cela naquit le plus adorable des pères. Je suis chanceuse d'être sa fille, son admiratrice, et de l'avoir comme mentor, mon mécène, mon coach. Qu'est-il donné de plus heureux à une fille que d'avoir grandi dans l'amour sous la protection de papa comme lui? Un père soucieux. Un père soucieux qui s'est sacrifié toute sa vie pour nous rendre, nous, ses trois enfants, heureux. Avec mamie, il a fondé une famille sur de bonnes bases morales et civiques. Le plus modestement, il nous a appris à être heureux. Sans gossip, il nous a créé un nom à notre famille. Il nous a appris à aimer, à vivre dans le respect et la dignité, entre autres. Nous retenons de lui les modèles. Nous retenons de lui les modèles, les morales qu'il nous a inculquées. Et nous nous engageons à être intègres, respectueux comme lui. Au départ inattendu du directeur général, Maître Chesnel Bière, fauché en plein exercice de ses fonctions, et à la douleur infinie que ceci provoque, s'ajoute pour nous, ce matin, le pénible exercice de prononcer l'oraison funèbre d'un professionnel émérite au parcours et aux qualités hors du commun. Pour rappeler le destin mortel de l'humain, une sagesse de chez nous dit que la vie cohabite avec la mort, mais on ne s'habitue jamais à la mort, parce qu'elle frappe très souvent par surprise. C'est avec une bien vive émotion que nous venons, au nom de l'Office national d'assurance vieillesse, adresser à notre directeur général un suprême adieu. On ne le savait pas souffrant depuis peu. Grande a été notre surprise d'apprendre le décès du DG de l'ONA tôt dans la matinée du samedi 22 mai 2021. Quand le destin nous arrache un collaborateur, d'exception, le seul devoir qui vaille est de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Père David César, c'était chef d'orchestre, école de musique Sainte-Trinité, puis orchestre philharmonique Sainte-Trinité. Les que nous apprenons la molly hier soir, il mourit en espace, bon, 3 heures, d'après information que nous gagnons. Les a circulé, les messages a couru sur le groupe clergé, nous chaque a demandé ce qui a passé. Qui ça qui gagne? Et puis il dit c'est père de David César qui mourit. Cherchez qu'on est qui ça le gagne parce que nous pas t'attendre à ça. C'est un coup dur. Surtout, dans la dernière semaine, ça y est, l'église épiscopale était déjà en deuil avec départ du recteur dans l'université épiscopale là,
vice-recteur, qui est docteur Joseph Bernard, Joseph, docteur Joseph, et puis et recteur, qui est docteur Bernard. Donc, Père David n'a pas mouru de COVID-19. Père David a gagné un autre problème. Il a gagné un problème de digestion. Il est mort dans l'hôpital Pétionville. Et il a un examen COVID là qui est négatif. Père David a gagné l'autre problème, mais il n'a pas gagné un problème, il n'a pas frappé par coronavirus là. Père David travaille pendant le ministère dans gros monde, il travaille dans un ballet, un petit bout de temps, il était venu prêtre en charge en paroisse Épiphanie dans place Calbois, était venu responsable administrateur cathédrale Sainte-Trinité pendant un petit temps et Sainte-Trinité qui était gagné, école classique là, école de musique, école professionnelle. Il était responsable toute section ça, mais jusqu'à ce qu'il devienne responsable seulement école de musique Sainte-Trinité. Dans le dernier temps, il était responsable paroisse Saint-Jacques dans Pétionville. Il était venu tout administrateur, membre du staff de la cathédrale Sainte-Trinité. Donc c'est dans le dernier temps ça, il travaille là, dans Sainte-Trinité, et puis il est mort. Donc c'est une grosse perte pour l'église épiscopale d'Haïti. C'était un docteur en art, tout le monde connaît ni. Donc c'est une perte aussi pour le pays. Information que famille Liba, c'est que dans le dernier temps, il est un petit genre à baisser physiquement, il a maigri. Mais c'est une hémorragie. Une hémorragie digestive. C'est ça que le médecin a dit qu'il était gain. Mais il a fait test COVID pour lui, il est négatif. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.